Bon alors voilà l'équipe, je vous ai débâché la belle golf parce que forcément elle dort dehors, tu vois, j'ai pas d'endroit pour faire ça bien, donc on fait ça comme on peut. Donc du coup vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des nouvelles, où ça en était le proto golf et tout. J'attendais d'avoir fait certaines choses pour pouvoir vous en reparler parce que c'est pour vous montrer une petite équerre en ferraille, ça sert à rien. Du coup aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors déjà, tu vois ça, la petite coupure de batterie, je l'avais pas faite, il me semble bien, dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que j'avais pas fait non plus? J'avais pas. Le frein à main, il n'était pas purgé. Là, tu vois, il est purgé. Il y en a certains qui vont croire qu'il est mou, mais en fait, il n'est pas mou. C'est que j'ai pris un tout petit mètre cylindre de façon à ce qu'il soit pas dur, mais rien que t'inquiète qu'il va bloquer. Comme ça, au moins, tu vois, j'aurais pas besoin de forcer comme un âne. Ouais. Je tirerai à peine, tac, tac, il bloquera direct. Ensuite, viens, Mathieu, on va faire un peu de gym. Tac. Là, ça se passe en dessous. Donc, ça, vous aviez pas vu. L'arbre de transmission, le petit palier tout neuf. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le support de boîte. Donc, tu vois, avec les petits cils en bloc rigide, tout bien, carré. Tu pourras remarquer peut-être en haut, là-bas, au-dessus, la tringlerie de boîte. Donc, ouais. Du coup, regarde, viens là, mon petit Mathieu. Tac. Tu vois, petite nouveauté. Ça, c'est magnifique. Et surtout, ce qui est très, 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 très beau, que pas tous les drifters ont, une 6, mon pote. Et ouais, c'est pas la marche arrière. La marche arrière, elle est là, tac, comme sur toutes les BM. Enfin, tu vois, voilà, toutes les vitesses, ça passe. C'est magnifique, c'est carré. Autre nouveauté, on a mis la crémaillère, donc je vais vous montrer après. Mais du coup, le volant, il fait plus des 360, tu vois, regarde. Ah, ça touche. Voilà, t'es en butée de direction. Donc ça... Moi, je suis grave content. Tu vois, c'est des petits trucs, mais moi, c'est ouais. Grave satisfaisant pour moi parce que c'est là où tu vois que le projet, il avance réellement, tu vois. Après, devant, donc, tu vois, il y a le petit moteur en lieu et place. Donc, pour vous expliquer un peu le topo, ça, c'est un 323i bloc alu 236, boîte de 530D. Donc, tu vois, c'est un bon diesel bien coupleux. Tu vois, la boîte, elle est faite pour encaisser. Donc au moins je suis sûr qu'elle casse pas. Puis l'avantage, boîte 6 aussi. Tu vois que si j'aurais mis une boîte ZF de 36, je serais en boîte 5. Ensuite, regarde ça. Crémaillère fixée, dure comme du chien. Punaise. Liaison de direction effectuée. Tu vois, petite soudure là, on la voit à peine. On voit même pas. C'est du travail de professionnel. C'est joli. Après... Petit support moteur là, tu vois, tout fait maison mon petit. Eh oui, je rigole pas. Donc bon, il est pas soudé, il est juste pointé parce que moi je tâte pas la soudure, donc je préfère y faire souder par quelqu'un qui maîtrise son truc, tu vois. Ouais, plutôt que de dire ouais et tout, vas-y, je suis un zeb, je me soude tout, j'ai fait tout seul. Non, après si c'est pour que je casse un support première journée, ça m'intéresse même pas. Moi je veux un truc, tu vois, je monte dedans, je suis serein, je vais pas trouver tout par terre. Ça serait bien. Alors après j'ai fait quoi? J'ai fait aussi les supports forcément du berceau au cil en bloc. Donc tu vois, cil en bloc rigide aussi. J'ai fait des petits goussets, tu vois, à droite, à gauche, histoire de renforcer le tout, sûr pas que ça bouge. Là je te mens pas, avec ces supports moteurs là, on peut mettre 800 chevaux. Ça va pas bouger. Le train arrière, il sera arraché, que le moteur, il sera toujours là, on est sûr. Donc, tu vois, viens voir. Là, on voit bien de ce côté. Tu vois, j'ai utilisé une petite plaque d'acier, donc en 8 mm, tu vois, pour pas dire de bêtises, que j'ai tordu, enfin, j'ai coudé, on va dire, au chalumeau, donc à chaud. Ah ouais. Tac, j'ai fait prendre ma forme, mon inclinaison pour le cil en bloc. Après, j'ai pris une grosse tôle en 8 mm. J'ai tapé dedans des goussets, tu vois, donc c'est ça qui va faire réellement la force du truc. Si j'aurais mis que la tôle, là, ça se tord tout, première sortie. Donc, tu vois, j'ai tout pointé. Comme je vous ai dit, hein, je suis pas un tâteur de la soudure, je ne m'inventerai pas une vie. Je préfère faire ça à quelqu'un qui tâte vraiment et au semi-auto aussi, parce que moi, j'ai que le poste à l'arc ou chalumeau. C'est pas terrible, terrible. Donc, voilà, pour ce qui est un petit peu du gros boulot effectué ici aussi, très important, la cale de boîte, là, tu vois, la cale de boîte. Donc, faut savoir que la boîte, on aurait presque pu la monter. On n'aurait peut-être pas pu mettre toutes les vis, mais on aurait pu la monter sur le bloc sans faire de cale. Ouais. Mais le truc, moi, j'ai insisté à faire une cale parce qu'en gros, le moteur où la boîte, elle est montée et ce moteur-là, ils n'ont pas la même inclinaison. Ce qui veut dire que quand tu montes cette boîte sur ce type de moteur, tu as la boîte, après, elle est toute travers dans le tunnel. Faut faire tes supports tout travers. Enfin, c'est un peu de briquet de broc. Moi, je voulais partir sur un truc carré, donc j'ai remis... Que la boîte, elle soit droite. Regarde, viens voir. Montre-leur bien qu'ils comprennent le sujet. Là, tu vois, elle est bien droite dans le tunnel. Normalement, sinon, elle est comme ça, tu vois.
Tout de travers, c'est dégueulasse. D'accord. Donc tu vois, je me suis fait chier un petit peu à faire une cale, mais au moins, grâce à ça, on aura un bon montage. Dessus, il y a déjà le collecteur, mais je crois que ça, je vous l'avais montré. Là, après, dans le principe, ce que je vais faire, c'est que je vais tout redémonter. Parce que tu vois, là, il y a le cri pour se peser un peu. Parce que si je lâche, ça risquerait de me faire péter mes points. Et après, ça va plus foutre la merde qu'autre chose. Il faudra tout que je remeule et tout. Enfin, bref. Là, dans le principe, je vais ressortir ce moteur. Je vais redémonter la boîte. Je vais peindre la cale. Je vais finir de faire souder. Je vais peindre les supports à droite, à gauche, tout ce qu'il y a à peindre. Une fois que j'ai fait ça, je redémonte la boîte, je mets mon embrayage volant moteur. Donc forcément, je vais devoir mettre une cale derrière que je vais faire usiner. C'est mon père qui m'usine les pièces parce que moi, je ne maîtrise pas encore tout à fait le tour. Je peux te faire une pièce, mais tu vois, ce ne sera pas, ça sera pas carré. Au micron carré et tout. Il y a moyen, le volant moteur, il tourne comme ça à la fin. Donc pour ne pas prendre de risque, je vais faire faire au papa, au moins je suis tranquille. Donc je remonte volant moteur, embrayage, je remets la boîte, je déculasse, je lui mets un joint de culasse Athéna renforcé. Dans tous les cas, ça sert à rien de mettre des pistons, des bielles forgées là-dedans, parce que c'est un bloc à lui, on pourra pas souffler plus d'un bar. Ouais. Au-dessus, après, on va tout casser et c'est inutile. Même déjà un bar, je vous mens pas, il y a déjà de graves risques, on casse tout. Sur cette voiture, je vais mettre une gestion Max EQ pour pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'une KDFI comme dans la E36, tu vois, de drift. Après, pipe en alu, machin, enfin bref, je vous laisserai un peu découvrir aussi le montage que je vous expliquerai au fur et à mesure. Tout ça pour vous dire qu'en gros, là, si vous aviez pas de nouvelles, c'est que je voulais absolument finir tous ces supports à droite, à gauche, la cale de boîte et tout. Vous ayez un truc presque monté, qu'il y ait des nouveautés, tu vois, que je puisse vous parler comme là, je suis en train de faire pendant une heure à vous baratiner, tu vois. Et que bah, la prochaine fois qu'on refera une vidéo, donc vous inquiétez pas s'il y a du temps entre chaque vidéo, parce que tu vois, vu qu'on est dehors, je peux pas travailler quand je veux, quand il pleut, quand machin, je peux pas, c'est mort. Et même la nuit, tu vois, j'ai très peu d'éclairage. Alors, je serai dans un atelier, tu parles, jusqu'à 1h du matin, je serai dessus, je lâcherai pas le beefsteak. Tu n'as pas que ça comme projet aussi. Ouais, j'ai pas que ça comme projet aussi. Exact, Mathieu, c'est vrai. Tu vois, on a rentré encore les E36, que je vous ai fait la vidéo, tout ça. Donc, tu vois, vraiment, on dort pas. Et j'essaye de pas trop m'éparpiller non plus, tu vois, de rester concentré dans mon truc. Mais trop de boulot, tout le boulot, je te mens pas. Donc du coup, là, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de nouvelles pendant un petit moment, c'est le temps que je démonte tout ça, que je peigne, que je remonte mon embrayage, fasse mon joint de culasse à droite, à gauche, machin. Et je vous reprendrai, on va dire, quand on en sera au même stade, mais tu vois, tout monter en mode définitif. Ouais, les supports peints, machin, tout monter nickel, nickel. Là, j'ai l'arbre de transmission, j'ai oublié d'en parler, parce que forcément, le bout d'arbre, ça va être un bout d'arbre sur mesure. Ouais. Ça, je le fais avec mon savant fou. Donc, tu vois, tranquillement. Là, il me manque que ça. Mais tu sais, on a pris les cotes et tout. Donc, je peux déjà renlever. Ça ne m'empêchera pas de le faire. Donc, voilà. C'était pour vous dire que quand vous aurez une autre vidéo, ça sera quand ça sera tout monté carré, tout peint. Et que là, je pourrais me concentrer à vous parler sur le montage, on va dire, du montage turbo. Tu vois, simple et pur. Ouais. Tu vois. Donc, voilà l'équipe. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les nouveautés sur cette voiture. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que vous étiez un paquet à me demander des nouvelles. Puis j'étais un peu dans l'incapacité de vous répondre parce que je voulais pas vous en dire trop ni pas assez, tu vois. Du coup, j'étais là, j'étais un peu, tu sais, le cul entre deux chaises. Mais bon, voilà, du coup, j'ai fini les supports, j'ai pu vous présenter ça, je suis content. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous partager un peu mes aventures folles. Faut savoir, les amis, que même avant YouTube, tu vois, je faisais des trucs comme ça. Parce que ça, c'est un projet que j'ai attaqué bien avant la chaîne YouTube, tu vois, 5 ans avant, pour donner une idée, 5 ou 7 ans avant la chaîne YouTube. Ça n'a pas d'hier, quoi. Tu vois, j'ai toujours eu un peu des idées folles sans dire que c'est que pour YouTube, pour montrer, pour machin, pour péter. Je vous mens pas, je m'en bats les couilles, ça marche pas. Moi, je fais ça pour le kiff. Ceux qui kiffent, tant mieux. Ceux qui kiffent pas, tant pis, hasta les gosses. Je sais même pas comment on dit, mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas, petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage dans mes projets. Petit abonnement, c'est gratuit. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles découvertes. Allez, ciao l'équipe.